Bonjour monsieur. Bonjour. On aimerait bien se lancer dans la production de bananes Hunter et donc on voudrait savoir s'il y a un marché. Bien sûr, il y a un grand marché pour la production de la banane plantain. Il y a un grand marché. Donc, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a plus de 500 millions de personnes qui consomment la banane plantain au quotidien. Wow. Voilà. Donc, selon certains pays et selon certaines périodes de l'année, les marchés n'arrivent pas à satisfaire la demande. Voilà. Mais il faut signaler quand même que de plus en plus, les industriels s'intéressent à la banane plantain comme matière première pour la production des chips. Soit la production de la farine de la banane plantain qui peut permettre de substituer la farine de blé qui est importée. Ça c'est super. Voilà. Mais vous allez constater que avec la population qui ne cesse d'augmenter dans les grandes villes, la demande à banane plantain est en cesse à mettre augmentation. Voilà. Donc il y a un grand marché pour la banane plantain. Merci beaucoup. Merci. Marie, moi, on va aller voir comment ça se passe. Ça se passe au niveau du champ. Ok. Merci. Merci. Je vous encourage. Merci. Bonjour monsieur Eno. Bonjour. Comment bonjour, vous allez? Bonjour, ça va très bien. Bien, là nous sommes dans votre exploitation de bananier plantain. Oui. Alors dites-moi, est-ce que l'objectif de commercialisation de la banane plantain impacte la façon de cultiver le bananier plantain? Oui, ça impacte la manière de cultiver la banane plantain. D'abord, il faudrait que vous mettez dans la tête que vous voulez faire de la banane plantain comme culture principale. D'accord. Et à partir de cela, vous pouvez vous orienter en associant des cultures pour permettre à ce que vous ne payez pas beaucoup d'intrants. D'accord. Comme vous voyez ici, les feuilles de patate. Ok. Mmh? Parce que nous plantons ici de la patate douce pour couvrir la surface du sol pour ne pas que les mauvaises herbes puissent pousser. Donc vous avez là deux revenus. Okay. Sinon, si vous remettez la patate douce, vous avez trois revenus parce que vous allez vendre les feuilles, vous allez vendre à l'intérieur les tubercules de patate. Les tubercules. Donc, vous êtes un homme heureux. Ça, c'est super. Si Donaldson, tu ne crois pas que si on intensifie notre production de plantain, on aura besoin d'utiliser plus de pesticides? Avant, on voit les spécialistes pour leur demander. D'accord. Monsieur Thierry, j'ai entendu dire que lorsque le bananier plantain était la culture principale d'une parcelle, il était nécessaire d'utiliser des pesticides. Est-ce vrai? Ben justement, non. Ce n'est pas systématique. Ah bon? Les pesticides sont des produits chimiques qui peuvent être dangereux. Mm-hmm. Mais déjà, on va essayer de expliquer un peu. Il y a différentes catégories de pesticides. Il y a les fongicides, mm-hmm. qui sont pour lutter contre les maladies dues à des champignons, comme la saccosporiose. Il y a les herbicides, c'est pour lutter contre les mauvaises herbes. Il y a les insecticides, les plus dangereux, qui sont pour lutter contre les insectes, comme le charançon pour le bananier. Et puis il y a aussi, spécifique pour les bananiers en général, les nématicides, qui elles sont contre les nématodes des bananiers au sol. Mais le souci, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de recommandations ou de conditions pour utiliser ces produits dangereux chimiques. Mmh. Il faut avoir des étiquettes qui soient lisibles, compréhensibles par l'agriculteur, où il y a une série de recommandations. Il faut aussi que ces produits soient homologués.
et pour essayer de savoir exactement si ce produit est utilisé, est utilisable pour sa culture. Mm-hmm. Il ne faut surtout pas surdoser ou sous-doser ce produit. Et comme ce sont des produits hautement dangereux, toxiques, on peut avoir des problèmes de santé pour ceux qui utilisent, mais aussi pour l'environnement, parce qu'on voit aussi des boîtes, des bidons qui sont jetés dans la nature. Voilà pourquoi il faut faire très attention et pour ça que nous ne recommandons pas l'utilisation des pesticides chimiques. Bonjour, docteur Abi. Bonjour, monsieur Donaldson. Merci de m'accueillir au laboratoire de défense des cultures du programme Plantain, Banane et Ananas du CNRA. Bonne arrivée. Alors, docteur Abi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut se passer de l'utilisation des pesticides? Effectivement, monsieur Donaldson, on peut se passer de l'utilisation des pesticides en culture de bananier. Oui. Je vous prends un exemple très simple. Dans la lutte contre le charançon noir du bananier, oui. Lorsque vous utilisez des insecticides, vous détruisez aussi des insectes qui sont très utiles dans la lutte contre cet insecte, qu'on appelle des insectes prédateurs. D'accord. Et de la même manière, lorsque vous utilisez des herbicides, vous éliminez des plantes qui sont très utiles et qui hébergent ces prédateurs de cet insecte, qui est le charançon noir du bananier. Il y a aussi le fait qu'en utilisant les pesticides, vous entamez la santé de l'homme. Et sur cet aspect, Dr Traoré va vous expliquer en long et en large. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Dr Abi. Merci. Excellent journée à vous. Ok, merci. Au revoir, M. Donaldson. Trop souvent, les applicateurs ne se protègent pas correctement avec des équipements individuels de protection. Cette situation les expose aux produits. Donc, à force d'utiliser les produits, ça peut leur causer des maladies à long terme. Le produit aussi, il est dangereux, non seulement pour eux, et pour tous ceux qui travaillent dans la plantation. À côté de ça, le produit, il est dangereux pour l'utilisation des emballages. Parce que souvent, ils sont utilisés comme emballage pour transporter de l'eau ou bien des alimentations. Mm-hmm. La consommation de tels aliments est dangereuse, qui peut poser des maladies. Au-delà de ça, les eaux qui sont autour des parcelles traitées sont aussi contaminées. Les aliments issus de ces parcelles traitées contiennent beaucoup de produits qui peuvent provoquer des maladies. C'est pourquoi il est nécessaire de bien laver ces aliments avant de passer à la consommation. D'accord. Oh là là, tout ce qu'on a vu hier ne me donne pas envie d'utiliser les pesticides. Ouais, ça je suis d'accord. Bonjour docteur Sylvain. Bonjour Pauline. Bonjour. Docteur, nous on veut faire de l'agriculture moderne, on veut produire et vendre de la banane plantain et pouvoir vivre de cette production. Dites-nous, comment on fait? Vous voulez faire ça? Oui. Effectivement. Oui, c'est de l'agriculture moderne. C'est productif, c'est rentable. Mais c'est aussi sans pesticides. L'agriculture moderne, il faut qu'elle soit durable. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que votre parcelle, elle dure, il faut que la rentabilité dure et il faut qu'on n'impacte pas trop la santé des populations et des territoires. D'accord. C'est vrai, en fait, quand on voit une parcelle comme ça, on a tendance à penser qu'elle est issue forcément de l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, c'est-à-dire basée sur beaucoup de pesticides et d'intrants. En fait, il faut savoir que ce modèle, aujourd'hui, il est remis en cause. Il est remis en cause pour plusieurs raisons. D'abord parce que les pesticides, ça coûte cher et c'est pas forcément accessible. Ensuite, parce que les résultats que vous attendez en mettant des pesticides, il est parfois pas complètement atteint. D'accord. Aujourd'hui, vous avez certaines adventices, les mauvaises herbes, qui sont devenues résistantes à des herbicides. Vous avez aussi des champignons qui sont devenus résistants aux fongicides. Mmh. Et donc du coup, quand vous utilisez ces produits chimiques, ces pesticides, ils n'atteignent pas le résultat pour lequel vous l'avez mis. Vous avez dépensé de l'argent sans atteindre de résultat. D'accord. Et en plus, on sait, on l'a déjà dit, que ces pesticides, ils ont quand même un impact très négatif sur votre santé, la santé des populations, la santé des sols, des territoires. Et aujourd'hui, les consommateurs du monde entier, ils demandent des produits sans pesticides. Mmh. Et grâce aux travaux de la recherche et à certains savoirs traditionnels réactualisés, aujourd'hui, c'est possible dans beaucoup de cas. Mais là, on se produit moins. Quel est donc l'intérêt de produire sans pesticides? Non, vous n'allez pas forcément produire moins. Ça, c'est pas forcément vrai. D'accord. En fait, produire sans pesticides, aujourd'hui, c'est possible, et produire beaucoup, c'est aussi possible.
Super. En fait, ce n'est pas les pesticides qui font pousser les bananiers. Les pesticides, ils sont là pour éviter de perdre du rendement en évitant les attaques des ravageurs, comme le charançon ou les nématodes, et en évitant la compétition de certaines mauvaises herbes avec le bananier. Ok. Aujourd'hui, la recherche, elle a développé des pratiques alternatives, qu'on appelle des pratiques agroécologiques. En fait, elles viennent remplacer l'utilisation des pesticides. Et elles ont le même résultat. Certaines piègent les charançons, et donc, voilà, ça retire les charançons des parcelles. D'autres, par exemple, on va utiliser des plantes de service ou des cultures associées qui vont permettre d'éviter à des mauvaises herbes d'apparaître et qui peuvent aussi avoir un rôle de lutte contre certains ravageurs en les piégeant, en les repoussant ou en hébergeant certains de leurs prédateurs. Mmh. Okay. Toutes ces pratiques, elles sont présentées dans la manette pédagogique FABA. D'accord. Et votre intérêt dans tout ça, à vous, zéro coût de pesticides, zéro pollution, zéro risque pour les travailleurs et pour les consommateurs, pour l'environnement aussi. Et puis avec un peu de chance, vous pourrez vendre votre banane plantain un peu plus cher sur le marché parce qu'elle est naturelle. Wow, pick up. Mais je vous invite à aller voir des producteurs qui mettent en œuvre ces pratiques agroécologiques. Ils vont vous parler de leur impact et de leur efficacité. Super. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. D'accord. Et donc, je disais, le tonnage, là... Comment vous faites pour vous passer des herbicides? Bon. En effet, nous n'utilisons pas les herbicides ici à l'implantation parce que nous avions des femmes qui associent les cultures avec le bananier plantain. Lorsqu'elles désherbent leurs cultures, elles désherbent aussi le bananier plantain. Ah, mais ça, c'est stratégique, ça. Donc, vous appelez les femmes et viennent faire l'association des cultures vivrières. Vivrières. Et lorsqu'elles désherbent, elles profitent également pour désherber le bananier. Le bananier plantain. Ok. Voilà pourquoi on ne fait pas d'herbicides en plantation. Bonjour Madame Adja. Bonjour. Dites-moi, comment pratiquez-vous l'agroécologie dans votre parcelle? Moi, je n'utilise pas de pesticides, d'insecticides. D'accord. J'utilise des pièges à phéromones ou des pièges à sodotron. Ok. Mais les pièges à phéromones coûtent cher et ils sont difficiles à trouver. D'accord. Par contre, les pièges à sodotron sont faciles à trouver et moins coûteux. Ah. Une fois les charançons capturés, d'accord, je les ramasse et je les tue au feu. Ok. Mais ça prend du temps, non? Oui, ça prend du temps, mais c'est mieux pour ma santé. Ah, d'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Marie, j'ai vu un producteur qui n'utilise pas d'herbicides. Et moi, j'ai vu une productrice, elle n'utilise jamais d'insecticides. Mais finalement, il existe plein de solutions pour ne pas utiliser les pesticides. Suivez-nous pour les explorer.